Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Tourner le premier miroir à gauche, suivre le faisceau. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Quatre miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés, c'est le deuxième miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Troisième miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir.
C'est le premier miroir. Thank you.
Quatre miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés, c'est le deuxième miroir.
dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. Avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés, c'est le premier miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. Créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. Je dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. Quatre miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés.
J'ai plus qu'à trouver une sortie. Il y avait un couloir près du quatrième miroir. Thank you.
Des villageois prétendent avoir vu une étrange créature dans les rues. Ils l'ont suivie jusque dans une impasse, où elle a disparu. Une habitante décrit un phénomène similaire dans la ville haute. Elle aurait été réveillée par quelque chose qui tentait de pénétrer par une fenêtre du deuxième étage. Lorsqu'elle a crié, la créature est tombée dans la rue et a disparu. Nous surveillons la situation. Jeune fille, je peux vous raconter une histoire ? Je la tiens directement de ma mère. Avec plaisir. Vous avez remarqué les puits partout dans la ville, pas vrai ? Vous connaissez leur origine ? Non, dites-moi. C'est une ancienne reine, une femme d'une grande vanité, qui a ordonné leur construction pour qu'en se promenant dans les rues, elle puisse toujours voir son reflet. Un jour, elle s'est agenouillée devant un puits, et un poisson a fait surface. Elle s'est mise... Le Patoli serait l'un des plus anciens jeux des Amériques et toutes les classes sociales y jouaient. Pour une simple partie, les joueurs auraient été prêts à tout risquer. Des couvertures, leurs joyaux, leur maison et même leur liberté et celle des membres de leur famille. Le dieu des arts et des jeux, Xochipilli, est considéré comme un joueur à part entière. No, no, no.
C'est bien ça. Tani Jan. Les protecteurs ont échoué et sont condamnés à pourchasser ce qu'ils ont perdu.
Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. Shikiwa, Nitsikita, Ilta Teke, Okitea.
J'ai pas assez de place pour ça. Why is Hawking wanted dead? Tout est plein. Je peux plus rien prendre.
Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'ai pas assez de place pour ça. Hey! On n'y voit pas grand-chose. Des gens entre deux fleuves. J'ai pas assez de place pour ça. Votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez? Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donnée. La reine Unuratu. Oh, vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien. Vous en faites pas. Que puis-je faire pour vous? Parfait. Les dieux nous sourient à tous les deux. Parfait.
c'est pour vous. À très bientôt. Cette pipe ouvragée est sculptée à l'effigie de Chiucoatl, un esprit serpent aztèque peint de vert, de bleu et de jaune. Ses flancs sont ornés de pierres semi-précieuses et le jade ici dénote une certaine influence maya. Le foyer sent encore la fumée et les racines brûlées. Ce n'est pas désagréable. Vous troquez ? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui ? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais s'il croit que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez ? Les dieux nous sourient. J'ai toujours du temps pour les affaires. C'est l'effervescence ici en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Tous les quartiers se préparent. Le marché va être animé. De grandes choses s'annoncent pour la ville et ses habitants. On doit tous faire ce qu'on peut pour aider Kukulkan à créer un nouveau monde. Hey!
Hakan! Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde? Quoi? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés! Il l'appelle déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sahiri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sahiri est mort et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère. Je le connais bien. Ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Hakan, assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, par devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ces gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jonah, tu me reçois? Ouais, on a installé un camp avec vous. Le docteur Dominguez est originaire de Paititi, où les Trinitaires sont présents depuis le XVIIe siècle. Gualtiero de Luca Dominguez, cardinal italien et ancien chef du Haut Conseil, a tout de suite reconnu son potentiel lorsqu'il était enfant et l'a formé comme un fils dans l'optique de lui faire prendre sa place. C'est ainsi que Dominguez a pu s'élever dans les rangs des Trinitaires pour finir par prendre la tête du Haut Conseil. Il a passé la majorité de sa vie hors de Paititi, même s'il y revenait régulièrement pour de courts séjours. Son véritable nom est Amaru, mais en tant que haut prêtre du culte à Paititi, la plupart des gens l'appellent par son titre, Kukulkan. Il a rapporté la clé Shakshel de Cozumel et promis à son peuple qu'elle lui servirait à le protéger. Chou, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuatu se battent. Hein? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Wow. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme.